éclairage. Souvent, ça me noircit, je comprends rien. Je vois pas les commentaires, je vois pas vos commentaires. Ah. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui ont aimé Bob Lee de son vivant. Parce que nous sommes tous faits de chair. Et nous sommes tous poussière. Poussière, nous le sommes. Poussière, nous le resterons. Mes frères et sœurs, on va aller très très vite. On va aller très très vite. On va aller très très vite. Car nous avons véritablement un cerveau pour réfléchir. Nous avons la tête pour réfléchir et pour comprendre. Et dès lors que nous avons mis véritablement nos neurones en marche ou en place, l'assaut s'est dévoilé tout seul. L'assaut s'est dévoilé tout seul. Mes frères et sœurs, j'ai les enregistrements. Et il ne pourra pas nous mettre au défi. L'assaut ne pourra pas nous mettre au défi. Nous avons les enregistrements. J'ai mes enregistrements par rapport à mes conversations avec lui, l'assaut. Personne ne viendra nous dire des conneries. Parce que Bob Lee est quelqu'un qui a voulu toujours découvrir une quelconque vérité. Si vous avez suivi Bob Lee pendant tout son parcours Facebookal, il a toujours voulu savoir une vérité quelconque sur une situation donnée. Et comme nous étions vêtements des personnes proches à lui, on ne peut pas se substituer à l'idéologie, au comportement de Bob Lee pour rester là pour dire non, il est parti, c'est bon. Non. Bob Lee n'est pas parti comme ça. Ok? Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de. Aujourd'hui, cette vidéo, vous allez véritablement être élucidé. Vous allez être élucidé dans cette vidéo. Parce que on nous a caché beaucoup de choses. L'assaut nous a éloigné de beaucoup de choses. Il nous a caché beaucoup de choses. Et il a dit beaucoup de choses que je vais vous relater ici. Parce que j'ai pris aussi le soin d'avoir des preuves avec l'assaut. Je n'ai pas causé comme ça, dans la bêteté avec l'assaut au téléphone. J'ai pris le soin de conserver des preuves. Et j'ai vu à la dernière minute une personne qui se reproche beaucoup de choses et qui cache beaucoup de choses et véritablement qui se dévoile. Avant tout propos, je me présente à vous. J'ai voulu faire ce direct-là à 16h, mais compte tenu qu'il y a mon frère Yaka Yaka qui va faire une vidéo aussi, avant qu'il ne parte au travail, on est nombreux, et pour que cette information-là, vous l'ayez. Je salue ici Mati Doula, je salue Yaka Yaka de Paris, je salue Larson Kria, pour cette vérité dont on était en train véritablement de rechercher. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite. Avant de vous montrer cette vidéo, partagez la vidéo. Moi-même, je vais essayer de la partager sur ma seconde page. Partagez la vidéo parce que... Non, vraiment. On a toujours dit, ton ennemi là, c'est ton ennemi n'est pas loin. Ça a été toujours dit que ton ennemi là, il n'est jamais loin de toi. Et c'est vérifié, c'est toujours vérifié.
Voilà, ma page, elle est restreinte au point de live parce que je suis restreint au point de live. Si vous ne partagez pas, ça ne va pas aller loin. Je suis restreint au niveau des lives. Voilà, ça c'est ce que Facebook m'a notifié. Je suis restreint au niveau des lives. Donc, il faudrait que nous partagions ensemble. Sinon, normalement, ça devait monter tranquillement. Mais je suis restreint au niveau des lives, donc ça va... Ça va pas se faire. Mes frères et sœurs, je me présente à vous. Pour ceux qui me prennent en marche pour la première fois, je suis Charlie Parker Fraternité. Vous connaissez. Je dis tout, ça chauffe pas. Mettez les cœurs. Je vois pas les cœurs là. Je vois pas les cœurs. Je vois pas les likes. Je vois pas les cœurs. Je vois rien. Je vois pas les commentaires. Je vois rien du tout. Voilà. C'est la preuve de ce que je suis signalé. Je vois pas les cœurs. Je vois pas de commentaires. Je vois pas de likes. Mettez les j'aime, mettez beaucoup de j'aime pour que la vidéo soit sécurisée vu ma restriction. Vous savez, depuis l'annonce de la disparition de Bob Lee, la légende, le King, j'ai eu l'assaut une seule fois au téléphone. Et depuis lors, je tente de joindre l'assaut au téléphone, il ne décroche plus. Il ne me rappelle plus aussi. C'est comme ça que j'ai jugé bon de ne plus l'appeler. Et quand je suis en causerie avec Yaka Yaka de Paris au téléphone, je demandais toujours à Yaka, comme lui, il continuait de causer avec lui, de lui demander le certificat de décès de Bob Lee. Pour que nous, on puisse s'organiser et faire beaucoup de choses. Pour qu'on puisse notamment prendre les devants des choses, parce qu'on aura une preuve dès le départ. C'est comme ça, Yaka me disait que Charlie, faut patienter. Yaka, l'asso dit, il va faire les courses à telle heure et telle heure et telle heure. Jusqu'aujourd'hui, Yaka n'a jamais reçu cette fois de décès. Yaka recevait uniquement le papier de constat de la police. C'est-à-dire, l'assaut amenait des choses moins importantes. Des choses moins importantes à Yaka Yaka que le concret lui-même. L'assaut amenait des choses moins importantes à Yaka Yaka que des choses importantes. Il amenait, comment on appelle, il m'a envoyé ça même. L'assaut m'a envoyé ça le même jour. Il m'a envoyé ce papier de constat de la police pour constater le décès. Patati, trelele. Mais la chose importante, l'assaut refusait d'amener cette chose importante. Lui, moi, on ne causait plus, il me prenait plus, il ne me rappelait plus. Donc moi aussi, j'ai passé à autre chose. Voilà. Jusqu'à ce que, écoutez très très bien, jusqu'à ce que j'ai fait une vidéo sur YouTube. Voilà où l'affaire devient intéressante. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Je vais vous présenter cette vidéo. Où j'ai mis en titre, voilà. Où j'ai mis en titre, l'assaut en fuite. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Où j'ai mis en titre, l'assaut en fuite. Et dans cette vidéo, l'assaut ayant vu cette vidéo, il a vu que j'allais là où ça ne l'arrangeait pas. C'est comme ça. L'assaut m'appelle. Il m'appelle par l'intermédiaire de un de ses bons petits qui vivait aux États-Unis. Ils étaient ensemble dans la même voiture. Et le monsieur m'appelle. Il dit, ah, mais mon vieux Charlie, je te suis, tu fais de belles vidéos, tu sais, maintenant tu as confirmé, j'aime ça. Mais tu es en train de t'attaquer à l'assaut, pourtant l'assaut, il est innocent, c'est quelqu'un de bien. Il dit, comment ça? C'est ainsi que il me dit, bon, je te passe l'assaut pour mieux t'expliquer la situation. Et véritablement, il me passe l'assaut. Et l'assaut, pendant qu'on cause, l'assaut maintenant m'envoie ce qu'il envoie à Yaka Yaka comme les actes de constat de la police. Il m'a envoyé son numéro personnel. C'est là que j'ai su que c'était l'assaut. Il a commencé à m'amadouer, à me dire véritablement, lui n'a rien à voir dedans. Voilà la situation. Il y a toutes les preuves.
Je dis, ah bon? Donc, vraiment, Lasso, toi, tu es... Moi aussi, ayant un instinct d'un ancien flic, tout de suite, j'ai dit, j'ai commencé à rentrer dans son jeu. Parce que, quand même tu as la police, quand tu es policier, tu as la PJ, tu as la DPC, à la police, qui lutte contre le trafic de drogue, mais pour pouvoir attraper le drogué, il faut te jouer le drogué dans l'enquête. Pour pouvoir attraper un bandit, il faut aller dans les fumoirs, il faut te substituer à un civil pour pouvoir véritablement attraper les suspects. Je me suis mis dans la peau de l'assaut. Pour le rassurer, j'ai fait une vidéo pour dire que non, c'est le propriétaire même qui a dû faire ceci, c'est le propriétaire, le bailleur qui a dû faire cela. Parce que l'assaut m'a dit, écoutez très bien, Lasso m'a dit, Charlie, si je savais que Yaka n'allait pas faire ce que je lui demandais, c'est à toi que j'allais tout confier. Si je savais que Yaka n'allait pas continuer à faire ce que je voulais, c'est à toi que j'allais envoyer ces trucs-là pour te confier. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai les preuves de ce que je dis. Il dit, mais tu dis quoi? Mes frères et soeurs, le droit est signalé, hein. Le direct est signalé, vous voyez, c'est signalé. Mettez les cœurs, partagez dans plusieurs groupes, dans plusieurs inbox. Il dit, mais Lasso, tu dis quoi? Je dis, mais il dit, c'est la raison pour laquelle que lui, comme Yaka ne fait pas ce qu'il veut, vous comprenez, ça veut dire qu'il voulait manipuler Yaka. Il dit, comme Yaka ne fait pas ce que je veux, voilà pourquoi je ne lui ai pas envoyé le certificat de décès de Bob Lee. Donc, tu as envoyé Yaka pour les jeter à la vindicte populaire. Maintenant qu'ils sont en train de le manger dans cette vindicte populaire, tu ne veux plus lui donner ses verres de dessert parce qu'il ne fait pas ce que tu veux. Parce que Yaka, j'ai demandé à Yaka, mais pourquoi le monsieur dit tu ne fais pas? Yaka m'a dit simplement c'est parce que lui, Yaka, il a refusé de faire la promotion, la publicité de son GoFundMe qu'il a mis en place. Et l'affaire là, elle est lourde, hein, mes frères et sœurs. Donc, comme Yaka a refusé de faire la promotion du GoFundMe que lui, Lasso, il a mis en place, il refuse maintenant de donner les vraies informations à Yaka. Il dit, ah, d'accord. Donc, moi, là, j'ai fait ce que tu veux. Donc, j'ai fait une vidéo, vous avez vu la vidéo où je l'ai caressé dans le sens du poil et les gens me disent, mais Charlie, tu le soutiens l'ancien mot. Il sera pour voir maintenant si Lasso, il va faire ce que je veux maintenant. Ayant fini ma vidéo, en caressant Lasso, j'ai demandé maintenant à Lasso, par un voice, j'ai dit, Lasso, envoie-moi le certificat de décès de Bob Lee, puisque maintenant, vous avez dit que le corps est transféré à Abidjan, donc, normalement, là, il n'y a plus de cachotterie, il n'y a plus rien à cacher. Envoie-moi le certificat de décès, moi, Charlie, te demande ça. Lasso a vu mon voice. Il a vu et ignoré le matin. Le soir, je quitte au boulot. Je lance encore un autre voice pour dire à Lasso, mais je t'ai demandé cette fête de décès là-haut. Tu ne m'as pas encore envoyé. Il y a quel problème? Lasso, dès cet instant, je suis devenu l'ennemi numéro un de Lasso. Dès l'instant où j'insistais sur le cette fête de décès, sur, hein, à Lasso, je suis devenu l'ennemi numéro un de Lasso. Et Lasso, vous savez ce qu'il a fait? Lasso m'a bloqué. Lasso m'a bloqué. Parce que mon seul crime, j'ai demandé le certificat de décès. Pendant que tout est clair, le corps est parti, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cachotterie. Lasso m'a bloqué. Pour constater effectivement qu'il m'a bloqué, je ne voyais plus sa photo de profil, il n'y a plus rien. J'ai pris mon numéro de Côte d'Ivoire, mon numéro orange de Côte d'Ivoire, d'où j'ai un WhatsApp là-dessus, j'ai mis ma puce, je me suis connecté sur mon deuxième téléphone, j'ai enregistré le numéro de Lasso et je vais regarder, je vois que Lasso est connecté sur WhatsApp. Il y a sa photo là-bas, ça veut dire qu'il m'a bloqué. C'est ainsi que j'ai laissé un voice pour dire Lasso, mais tu es dangereux, tu es mauvais. Tu me fais peur à cette allure-là. Tu me fais très peur, Lasso, tu me fais très peur. Et c'est ce voice que j'ai laissé. Il ne peut pas venir dire le contraire. Le voice, comme je fais le direct
sur mon iPhone. C'est sur iPhone que j'ai lu. Je ne peux pas ici, là, je ne peux pas. Mais ici, c'est le téléphone où je l'ai laissé sur mon numéro d'Abidjan. Voilà le voice que j'ai laissé. J'ai dit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lasso, je suis venu là. Je suis venu là. Là, je vois qu'il est. Voilà, il voit qu'il est connecté. Il a mis une autre photo. Parce que comme on a dit, avec sa photo, on va le retrouver. Il a changé sa photo de profil. Il a mis un animal qui est le lion à son profil. Comme les gens ont dit qu'on connaît sa photo maintenant, il peut te rechercher. Il a changé sa photo de profil de WhatsApp pour mettre un lion. Il ne sait pas que nous, depuis longtemps, on a déjà fait capture de cran de sa photo. Il ne sait pas que depuis longtemps, nous, on a fait capture de cran de sa photo. Voilà pourquoi on a balancé. J'ai balancé ça hier sur ma page, sa photo. Voilà le message que j'envoie à Lasso. Écoutez. Lasso, toi Lasso, tu as parlé en tant que quelqu'un d'honnête et que je te demande certificat de décès de Bob Lee. Une fois, je t'ai demandé, tu n'as pas répondu. J'ai fait un deuxième vocal. Tu as vu que j'insiste sur ça. Tu as préféré me bloquer sur mon autre numéro de téléphone. Tu as préféré me bloquer. Mais c'est que ce que les gens racontent sur toi là, sur toi là, c'est que c'est vrai. C'est que tu caches beaucoup de choses. Si tu as pu oser me bloquer sur mon autre numéro, là, je ne sais pas quoi dire, Tu me fais peur. Voilà le voice que j'ai laissé sur mon autre numéro. Et restez le dimanche, j'ai la date. Dimanche, je ne sais pas si vous voyez. Dimanche là. Ça veut dire que la somme a bloqué dimanche parce qu'il a insisté sur le certificat de décès. Et là, comme il a vu que j'ai su qu'il m'a bloqué, là, il m'a plus bloqué. Voilà sa photo. Il m'a plus bloqué sur le décès. Il a eu honte. Il m'a plus répondu jusqu'aujourd'hui. La somme a plus répondu jusqu'aujourd'hui. Écoutez très très bien. Est-ce que vous savez le mariage blanc que Lasso a organisé avec Bob Lee? C'était pour finir avec Bob Lee. Je suppose, je n'accuse pas. Je suppose, c'était pour finir avec Bob Lee. Bob Lee a été manipulé dans ce jeu. Parce que l'information que j'ai aujourd'hui, celle qu'on dit qu'elle est la sœur de Bob Lee, elle est la sœur de Lasso plus ou moins. Mais on m'informe encore que ce n'est pas la sœur de Lasso, mais c'est une seconde épouse de Lasso. Écoutez très bien. On m'informe aujourd'hui encore, celle que Lasso a dealé avec Bob Lee pour qu'il parte épouser sa sœur. Il a dit à Bob Lee que c'est sa sœur, il veut faire venir aux États-Unis, que Bob Lee aille l'épouser, il va lui donner, il sera rémunéré de $12,000, un truc comme ça. Et c'est le mariage que vous avez vu là. Le mariage que vous avez vu. La femme que vous avez vue avec Bob Lee là. Ils sont mariés en 2019. Le voyage que Bob Lee a effectué en 2019 en Côte d'Ivoire. C'était pour aller épouser cette soi-disant sœur de Lasso. Le mariage que vous avez vu. Attends, je vais vous montrer le mariage. Je vais vous montrer une chose. Le mariage avant de poursuivre. Mettez les cœurs, ils sont beaucoup là pour signaler. Lasso a engagé des gens pour signaler nos vidéos. Lasso a engagé des gens pour signaler nos vidéos. Donc partagez, mettez les cœurs. Voilà. Cette belle femme que notre frère Bob Lee est allé en Côte d'Ivoire en 2019, Bob Lee va en Côte d'Ivoire, c'était pour aller épouser cette soi-disant sœur de Lasso. Raison pour laquelle Bob Lee est allé en Côte d'Ivoire en 2019. Et la dame, cette sœur, elle est arrivée aux États-Unis en juin. Elle est arrivée aux États-Unis en juin 2022. Écoutez très bien. Le mariage a eu lieu en 2019. Et c'est en juin 2022 que cette dame arrive aux États-Unis. Quand
Bob Lee était à la télé-réalité. Il a dit, ah, sa femme qui l'a épousée est arrivée. On a banalisé ça, on a banalisé. Parce que moi-même, j'ai pensé que c'était maman de Naël. J'ai pensé que c'était maman de Naël qui était au Cameroun et puis voilà. Mais mes frères, partez là, plutôt mettez les cœurs, il y a quel problème? Je suis signalé là, je ne m'entends même plus ici. C'est comme ça. Depuis qu'elle est venue, en juin 2022, l'asso doit de l'argent à Bob Lee pour finaliser, pour que Bob Lee puisse donner ses documents, pour que cette fille ait ses papiers aux États-Unis. Comme Bob Lee a demandé de l'argent, je ne connais pas le montant, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. C'est dans ce discours ils sont depuis longtemps. Mais avant d'arriver à là, pour que vous puissiez comprendre, cette sœur en question, ce qu'on reçoit aujourd'hui des États-Unis, ce n'est pas la sœur de l'asso, ce n'est pas sa sœur. C'est la seconde femme de l'asso. Parce qu'il voulait faire venir sa seconde femme. Il faut mentir à Bob Lee pour dire que c'est sa sœur. Et Allah, un musulman. Non, je suis musulman. Moi, l'asso, je suis musulman. Je n'ai pas menti, je suis musulman. Parce que chez les musulmans, vous pouvez marier mais jusqu'à quatre femmes. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Donc, la femme de l'asso qui était aux États-Unis, elle a accepté que l'asso épouse une deuxième femme. Ça ne les gêne pas. Parce que c'est dans... Voilà, ça ne les gêne pas. Dja, Bob Lee partait épouser la seconde femme de l'asso pour ramener à l'asso. Meilleur ami. Soi-disant meilleur ami. Raison pour laquelle, quand Bob Lee, voyant pas son argent, lui être donné en intégralité, il demande à coucher avec cette dernière. La soeur est rentrée dans tous les... Il dit non, tu n'as pas couché avec elle. La soeur est tombée en train de dire, aïe, nous tous là, on a mis en contact même nos cousines, nos soeurs, à nos amis. Est-ce qu'on est tombé en transe? Nous tous là, on a mis en contact nos soeurs, nos cousines, avec nos amis. Est-ce qu'on va tomber en transe? La soeur est dit, non, il ne veut pas. Non, Bob Lee, tu n'as pas couché avec elle. Non. En réalité, c'était la deuxième femme de l'asso. Vu les informations qu'on nous donne aujourd'hui, c'est vérifié. Voilà pourquoi c'est elle, depuis qu'elle est arrivée là, la première femme de l'asso qui est aux États-Unis, elle travaille. L'asso travaille. Donc, qui cuisine à la maison? C'est parce que ceux qui travaillent n'ont pas le temps de cuisiner. C'est cette femme épousée par Bob Lee qui est arrivée. C'est elle qui cuisinait maintenant pour amener à Bob Lee. Écoutez très bien, le film devient intéressant. C'est elle qui cuisinait pour Bob Lee. Et quand elle ramenait de la nourriture à Bob Lee, mais c'est une belle femme, là voilà, c'est une belle femme. Donc, c'est une belle femme. Voilà. C'est elle qui cuisinait pour ramener de la nourriture à Bob Lee à son domicile. Et Bob Lee, quand elle ramène la nourriture là, Bob Lee, il veut coucher avec elle. Elle ne veut pas, elle fait le point à l'asso. L'asso, qui est son frère ou qui est son mari. Maintenant, là, voilà où on est. Donc, comme l'asso ne veut pas que le geste de vouloir coucher avec elle soit récurrent, l'asso lui-même s'est érigé en transporteur, en livreur de nourriture à Bob Lee. L'asso lui-même s'est érigé en transporteur ou en livreur de nourriture à Bob Lee, pour ne pas que nos frères continuent d'emmerder la fille. Donc c'est l'asso qui a amené la nourriture maintenant à Bob Lee. C'est lui maintenant qui prend tout sur lui. Quand il va au travail, il va donner la nourriture à Bob Lee. Donc voilà comment ça s'est passé d'abord. Maintenant là, on va rentrer maintenant dans la zone de turbulence. Nous allons rentrer dans la zone de turbulence. Bob Lee, de son vivant, quand Bob Lee m'écrivait de son vivant, voilà ce que Bob Lee me disait. Partagez. Quand Bob Lee m'écrivait de son vivant, voilà ce que Bob Lee disait de moi. Écoutez très bien. Merci champion, merci. Je sais que même si toi tu ne dis rien, je sais que tu es toujours de cœur avec moi. Voilà, parce qu'il y a des gens comme ça que tu sais, même quand ils ne disaient rien, tu sais ce qu'ils pensent de toi. Voilà. Tu es l'une des rares personnes à qui
On me viendra me dire qu'il parle mal de moi, puis je dirai, on va dire ça ailleurs. En tout cas, ouais, je... Bob disait, Charlie, tu es l'une des rares personnes que quelqu'un viendra me dire que tu parles mal de moi et je vais croire. Bob Lee me disait à moi, Charlie, tu es l'une des rares personnes que quelqu'un me dira que tu parles mal de moi au Dieu et puis je vais croire. On poursuit. Merci, champion. Merci. Champion, merci. Je sais que même si toi tu ne dis rien, je sais que tu es toujours de cœur avec moi. Voilà, parce qu'il y a des gens comme ça que tu sais, même quand ils ne disaient rien, tu sais ce qu'ils pensent de toi. Voilà. Tu es l'une des rares personnes à qui on me viendra me dire qu'il te parle mal de moi, puis je dirai, on va dire ça ailleurs. En tout cas, ouais, j'étais vraiment souffrant. J'étais vraiment souffrant. Et puis bon, voilà. Ça fait que mon téléphone était loin de moi. Même en ce moment-là, j'évite que le téléphone que tout le monde a là. J'évite que. Effectivement, parce que je leur laissais un vocal, un voice. Quand vous avez vu la vidéo où Bob Lee était en costume, Bob Lee était en costume. Et puis Bob Lee dit, je suis au casier 48. Je suis au casier 48 là. C'est avant ça que on est posé à lui. Quand Bob Lee a fait sa vidéo pour dire il est au casier 48, il est vraiment décédé. C'est avant ça que j'ai posé à lui pour dire, ah, j'espère que tu vas bien, je n'ai pas de tes nouvelles. C'est là Bob Lee. Il dit, même si je ne parle pas, même si je ne souhaite pas bonne guérison, lui, il a confiance en moi. Il sait que même si je ne dis rien, il sait que je pense du bien de lui. Voilà ce que Bob Lee me disait. Écoutons le deuxième voix de Bob Lee. Toi, tu es comme moi. Toi, tu es vrai. Moi, c'est comme ça ici. Moi, il n'y a pas été bêtis. Parce que moi, personne ne peut m'obliger à faire quoi que ce soit. Toi, tu es comme moi. Toi, tu es vrai. Moi, c'est comme ça ici. Moi, il n'y a pas été bêtis. Parce que moi, personne ne peut m'obliger à faire quoi que ce soit. Quoi. Donc, je ne fais pas les choses en fonction des gens. J'aime. Et quand j'aime, je le dis fort. Voilà. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens ont dit. Voilà. Et tu es vrai. Et c'est pourquoi tu me plais beaucoup d'ailleurs. Parce que tu es vrai. Et tu n'as peur de rien. Et ça, j'apprécie ça. Parce que moi-même, c'est comme ça que je suis. Comme on le dit, qui s'assemble sur... Bob Lee m'a dit, Charlie, tu es vrai. Voilà pourquoi je suis avec toi. Parce que tu es quelqu'un de vrai. Tu n'as peur de rien. Bob Lee me faisait les éloges là de son vivant. Ce n'est pas dans sa mort que moi je vais venir me jouer les bêtes. Les bêtes. Parce que Bob Lee, il a dit une phrase. Il dit, qui s'assemble se ressemble. Je sais que Bob Lee, de son vivant, si une quelconque situation allait être à ses yeux, Bob Lee allait essayer de creuser et aller au fond pour trouver la vérité. Et donc, nous, on a le devoir et le droit de creuser pour trouver la vérité. Et cette vérité commence à venir. On va aller maintenant dans la zone de turbulence. On va aller dans la zone de turbulence, mes frères et sœurs. Bob Lee, non. Là où il est là, il sera fier que nous, on est en train de faire son combat. Là, son créa, yaka, Mati Dola, mon Charlie. On poursuit. Voilà comment l'assaut continue d'amener la nourriture à Bob Lee. Mes frères et sœurs, depuis le 11 juin, Bob Lee est décédé. Depuis le 11 juin, l'assaut ne voulant pas prendre cette responsabilité, il a attendu jusqu'au 24 juin, 23 juin, pour se rendre sur les lieux. L'asso a dit que Bob Lee ne décrochait pas ses appels parce qu'ils étaient en Djafou. Quand quelqu'un dit on est en Djafou, là, les Ivoiriens, vous devez comprendre qu'on était en discours. Quand quelqu'un dit on est en Djafou, ça veut dire qu'on est en discours. Écoutez très très bien. Le 11 juin là. Non, le 9 juin, quand Bob Lee a fait sa dernière vidéo, il a dit, il y a mon meilleur ami qui m'a dit de venir faire une vidéo pour montrer aux gens que je ne suis pas décédé. Bob Lee a dit, est-ce que vous avez écouté cette vidéo là? Bob Lee a dit, il y a mon meilleur ami, je ne voulais pas parler. Parce que moi, quand j'ai posé à Bob Lee au téléphone là, je n'ai jamais dit à Bob Lee de faire une vidéo pour se justifier. Bob Lee a plutôt voulu que je fasse un poste pour dire à ses détracteurs qu'il est bien portant, qu'il se porte très bien. Et comme j'attendais la voix de Bob Lee, une voix tonnante,
Voilà, je me suis dit qu'il se portait bien. Effectivement, j'ai fait le post sur ma page pour dire, le King Bob Lee, je l'ai eu au téléphone, il se porte très bien. Donc Bob Lee a dit, son meilleur ami lui a dit de venir faire vidéo pour se justifier, pour montrer qu'il se porte bien. Pourtant, c'était une manière de venir vendre Bob Lee. C'était une manière de montrer aux yeux du monde que Bob Lee est très mourant. Comme ça, quand la mort va arriver là, on va dire, ah effectivement, Bob Lee était malade. Il était malade. Ils ont voulu faire ça pour qu'on puisse accuser Love Gugu. Love Gugu que vous savez très bien, je l'ai toujours respecté. Voilà pourquoi je ne l'ai jamais attaqué. Parce qu'elle était dans sa légitimité de pouvoir se défendre sur son affaire. Donc, on n'a jamais attaqué Love Gugu. Ils ont voulu faire ça pour que nous, on va penser aujourd'hui que c'est le babadi de Love Gugu qui a fini avec Bob Lee. Est-ce que vous comprenez? Lasso, dans sa première version, il dit que Bob Lee est décédé le 11. Après, il se rectifie pour dire que c'est le 24. Vous savez, le 11, là, le 11 juin passé, là, Lasso s'est rendu au domicile de Bob Lee. Je suis dans la supposition, mes frères et sœurs. Lasso s'est rendu au domicile de Bob Lee avec sa tendre épouse qu'il a mariée légalement, que Bob Lee a mariée légalement de l'Afrique, pour aller discuter de quand est-ce que Bob Lee va se décider à vouloir faire les papiers de cette femme pour qu'elle puisse avoir ses papiers aux États-Unis. Écoutez très bien. C'est ainsi que il y a eu des discours. Bob Lee a réclamé son argent. Son argent. Et c'est dans ce discours que Bob Lee est tombé. Il est tombé, il a commencé à trembler et il partait dans la cuisine pour prendre ses médicaments. C'est comme ça, ils ont, ayant vu cela, ils ont pris la poudre d'escampette. Pas peur de ce que quelqu'un va décéder sous les yeux. C'est comme ça, son grand frère, quand Bob Lee sort, Lasso et la femme que Bob Lee a épousée, là, il sort de là-bas, Lasso commence à appeler son frère qui est en Russie pour dire, ah, voilà, Bob Lee, il tremblait, il allait prendre médicament, donc nous, on a eu, on est parti. Voilà comment le monsieur relate les faits. Sur le direct de Soulet de Paris, il relate les faits. Donc, depuis le 11, Lasso ayant pris peur, il commençait maintenant à guetter les faits et gestes de Bob Lee. Il commence à regarder à l'étage si les lumières sont éteintes, si les lumières sont allumées. Lasso commence à regarder si la voiture de Bob Lee a bougé ou la voiture n'a pas bougé. Lasso commence à s'inquiéter. Est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort? Est-ce que Bob... Parce qu'il a vu, il a assisté à la scène. Lasso a assisté à la scène, je suppose, il a assisté à la scène. Et il commençait à guetter maintenant les faits et gestes. Depuis le 11 jusqu'au 23, voilà pourquoi Lasso a parlé de mouche. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi Lasso a parlé de mouche. Il y a une Camerounaise qui vit aux États-Unis qui a appelé le bailleur. Le bailleur a dit, ce n'est pas lui qui a vu le corps en premier. Pourtant, Lasso nous a fait croire que c'est le bailleur qui a vu le corps en premier et puis il a appelé la police. La fille, une fille vivante au Cameroun, la vidéo est là, elle a appelé le bailleur de Bob Lee. Il a nié que ce n'est pas lui qui a vu le corps de Bob Lee en premier, que c'est Lasso. Vous pouvez croire à ça? Vous pouvez croire à ça? Du coup, voilà pourquoi Lasso a parlé de mouche et d'odeur à Yaka Yaka. Parce qu'effectivement, depuis le 11 juin jusqu'au 24, mais c'est normal. C'est normal. Donc, Lasso, il sait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Lasso est en train de se révéler. Parce que quand tu mens là, chaque jour, tu donnes une nouvelle version. Quand quelqu'un ment, chaque jour, il donne une nouvelle version. Parce qu'il ment en réalité. Il ment. Donc, quand tu mens là, forcément, tu vas donner une nouvelle version parce que tu n'es pas dans la vérité. Or, la vérité, elle est unique en son genre. La vérité, elle est quelque chose non falsifiable au quotidien. C'est comme ça, il y a eu le discours parce que, effectivement, Bob Lee a épousé cette femme que Lasso l'a présentée comme sa sœur. Pourtant, on nous informe que c'est la deuxième femme de Lasso que Lasso voulait faire venir aux États-Unis.
Donc, il a utilisé Bob Lee pour faire venir sa seconde femme. Il a utilisé Bob Lee pour faire venir sa seconde femme. Non. On va aller dans la zone de turbulence encore. Je demande ici d'abord, avant de continuer, mettez le cœur. Mettez le cœur pour Charlie Parker. Que mettez le cœur pour justice pour Bob Lee. Avant de continuer, je vous demande à vous, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui aimez Bob Lee, trouvez-nous un bon détective privé et nous, on va le payer. Là, son créa, Yaka Yaka, Maki Dola et moi, nous, on va payer le détective privé pour mener l'enquête. Parce que si on fait, si on veut, on veut véritablement avoir le bailleur pour discuter, on ne sait pas quel est le lien que le bailleur a avec Bob Lee et avec l'asso. Parce que le grand frère de l'asso nous a dit dans son intervention chez le Soleil de Paris, il a dit que c'est l'asso qui a trouvé la maison pour Bob Lee. Je répète, le grand frère de l'asso dit que c'est l'asso qui connaît le bailleur qui a trouvé la maison où Bob Lee a aménagé. C'est pour dire que les deux se connaissent. C'est pour dire que bailleur et l'asso, les deux se connaissent. Donc on ne peut pas aller se fier aux versions aussi du bailleur. Donc nous on vous demande, vous qui aimez Bob Lee, qui êtes aux États-Unis, trouvez-nous un bon détective privé et vous allez voir tout ce qu'on vous dit là. On va démasquer tout ça. Quand l'asso met en erreur Bob Lee et Yaka Yaka et moi, l'asso dit à Yaka que non, je t'informe pour que tu puisses faire une vidéo pour interpeller les parents de Bob Lee au village pour venir, pour faire une procuration pour qu'on puisse transférer le corps, sinon le corps sera incinéré. Donc, on a eu peur. Yaka a pris peur. Il ne faudrait pas qu'on va incinérer le corps de son ami. Déjà, l'asso était dans une marmaille. Déjà, l'asso n'avait pas besoin des parents de Bob Lee pour faire procuration. Déjà, l'asso n'a pas besoin de quelqu'un. Parce que la femme de Bob Lee légale est là. La femme légitime, l'ayant droit de Bob Lee est là, était sa sœur. Partagez la vidéo. Je me répète. Quand l'asso met en erreur Yaka pour le livrer à la vérité populaire, l'asso pouvait dire simplement que est-ce que tu as le numéro des parents de Bob Lee, point barre. L'asso n'allait pas dire fais une vidéo pour que on puisse rechercher les parents de Bob Lee pour ne pas que le corps soit incinéré, pour que véritablement on ait une procuration pour ça. Pourtant, l'asso sait très bien qu'il est en train de mettre les gens en erreur pour brouiller les pistes. Pour brûler les pistes. Parce que la femme légale de Bob Lee n'a pas encore divorcé. Quand j'ai causé là, elle a son téléphone là. J'ai les preuves. Si aujourd'hui là, on garde nos âmes sont là. Les preuves sont là. Il dit non, que Bob Lee pouvait pas divorcer. Sinon, l'État américain allait savoir que ça allait être un deal. Donc il fallait même au moins 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 5 ans pour divorcer. J'ai dit, mais l'asso, tu me dis, il faut 2 ans. Mais Bob Lee a épousé ta soeur ou bien ta seconde femme là depuis le 2019. Mais 2023 là, mais ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'ils sont mariés. Pourquoi l'État américain va trouver que c'est un deal? Pourquoi l'État américain va trouver que c'est un deal? Il dit non, c'est comme ça, le système américain, il faut se méfier. Voilà comment Bob Lee n'a pas encore divorcé. Parce que la vraie raison, c'est que la fille n'a pas encore de papiers. La vraie raison, la fille n'a pas encore de papiers aux États-Unis. Parce que si Bob Lee divorce, elle n'aura piquini. À tes pipi. Elle n'aura pas à tes pipi de papiers. Si Bob Lee divorçait. Donc comme ils étaient encore dans une négociation, voilà pourquoi il n'y a pas encore de divorce. C'est comme ça. L'asso qui voulait les parents de Bob Lee une procuration pour signer pour ne pas qu'on le corps soit incinéré. L'asso ne parle plus de ça parce qu'il sait que c'est un plan. C'est la femme légale de Bob Lee là. Comme elle arrive aux États-Unis, elle connaît rien. C'est elle qui est derrière l'asso
Elle aiderait l'assaut comme sac à main, Louis Vuitton, et l'assaut rentre dans le funérarium, elle signe les papiers et ça avance. L'assaut rentre avec la femme en question, elle signe les papiers et ça rentre. Mireille n'avait pas son mot à dire. Mireille, la mère des enfants n'avait pas son mot à dire. Et elle va vous révéler ça après l'enterrement de Bobli. Après l'enterrement de Bobli, Mireille, elle va venir vous dire la vraie vérité. La vraie mascarade. Mireille n'avait pas de mot à dire. Voilà pourquoi on était bizarre. On dit, mais pourquoi la mère des enfants ne peut pas prendre le corps? Oh, la soeur ne nous a jamais dit que Bobli a marié sa soeur. La soeur ne nous a jamais dit que Bobli a marié sa soeur. Parce qu'il savait dans quoi il était. C'est quand cette information est sortie aux yeux du monde que Lasso maintenant, il dit non, il veut se jouer maintenant, véritablement, pour nous dire véritablement, sa soeur est mariée avec. Mais aujourd'hui, là, on constate que ce n'est pas sa soeur. Là, on met de côté. C'est comme ça, toutes les démarches émises aux États-Unis pour qu'il y ait funérailles, il reste ici, c'est là. C'est la soeur de Lasso, celle qui est mariée avec Bobby. Celle qui signe tous les documents, celle qui signe tous les documents. C'est elle qui aura accès à l'assurance vie de Bob Lee, mes frères et sœurs. C'est la famille Lasso qui aura accès au certificat, hein, à l'assurance vie de Bob Lee, à toutes les épargnes de Bob Lee. Parce que Bob Lee avait un compte privé. Bob Lee, les revenus qu'il gagnait sur Facebook, les revenus qu'il gagnait sur YouTube, c'est sur son compte. C'est la famille Lasso qui va récupérer ça par le biais de sa sœur qu'il a mis de côté, qui a épousé. Bob Lee, il n'a jamais voulu le divorce parce qu'ils étaient dans la procédure pour que la fille ait ses papiers. Pourquoi, mes frères et sœurs, dites à Lasso, voilà l'information qu'elle a, pourquoi Lasso change de funérarium? Et Allah, avec ça on dit, non, je suis musulman, c'est un nom de vérité. Lasso, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un boulanger. Il est de la famille de boulangers. Lasso, c'est un boulanger. Il roule les gens dans la farine. Lasso roule les gens dans la farine. Pourquoi Lasso change de funérarium? Bob Lee est décédé à New Jersey. Le corps est au funérarium de New Jersey. Le funérarium de New Jersey nous révèle que Bob Lee est décédé le 11. Écoutez très bien. Le funérarium de New Jersey nous informe que Bob Lee est décédé le 11 juin 2023. Comme Lasso ne veut pas que ces indices-là puissent l'incriminer, il a transféré le corps avec sa femme, la femme de Bob Lee, qui sont mariés légalement. Ils ont transféré le corps de funérarium de New Jersey pour envoyer au funérarium de New York. Il a pensé que nous, on n'allait pas réfléchir. Il a pensé qu'on n'allait pas réfléchir. Partagez la vidéo. Salut à mon grand frère Chang de Douzo. Lasso transfère le corps qui a New Jersey. Vous dites que vous n'avez pas l'argent. Et puis vous changez de funérarium pour brûler les pistes. La première piste du funérarium disait que Bob Lee est bel et bien décédé. Vu l'autopsie, il est décédé le 11 juin. Donc ils ont fait la marmaille, ils ont amené à un funérarium de New York. Et là-bas maintenant, comme ils ont envoyé le corps là-bas le 24, eux, ils ont enregistré pour dire, Bob Lee est décédé le 24. C'est comme ça ce funérarium de New York, mais Gilles Mason décédé le 24. Voilà le deal. Voilà la manipulation. Voilà la manipulation de l'assaut. Pour brûler les pistes, mais moi, je suis décédé en New Jersey. Donc, si on doit m'enterrer, c'est à New Jersey, ou bien, si je dois aller en Côte d'Ivoire, il va en Côte d'Ivoire. Pourquoi changer de funérarium pour amener le corps à New York? Et là-bas, maintenant, on enregistre là-bas pour dire Bob Lee est décédé le 24 juin. Pourtant, le funérarium de New Jersey dit que Bob Lee est décédé le 11 juin, vu l'autopsie. Quand j'ai demandé à Lasso, mais est-ce que tu as entendu la vidéo où quelqu'un a donné une autopsie sur la toile? La soeur dit, moi, je ne suis pas au courant. Moi, là, je ne regarde pas, je ne sais pas si les réseaux sociaux. Moi, la soeur, je n'aime pas les réseaux sociaux. Quand il y a mon Facebook, là, c'est pour juste appeler un messenger en Afrique. Moi, oh, pourtant, la soeur est très intelligent. C'est la soeur même qui aide les gens aux États-Unis pour avoir du travail. C'est-à-dire, il est très intelligent.
Et lui dit, non, lui là, il connaît rien. Oh. Quel Facebook là même là? Lui n'est pas sur Facebook. Il n'a pas vu la vidéo. Il dit, ah bon? Tu n'as pas vu la vidéo où un monsieur vient annoncer l'autopsie de Bob Lee? Il dit, il n'a pas vu ça. Que lui n'est pas au courant de ça. Il dit, bon, je vais t'envoyer ça en inbox. Et j'ai envoyé ça en inbox. J'ai envoyé ça en inbox à l'asso. Il dit, l'asso, écoute ça. D'un double cancer, un cancer de la gorge et un cancer du foie, comme Ahmed Bakayoko. Voici l'information que nous tenions à vous faire savoir, à partager avec vous. Nous présentons encore nos condoléances les plus attristées à la famille de ce patriote, de ce compatriote, et nous vous informerons des prochaines étapes, c'est-à-dire comment est-ce que les funérailles seront organisées. Il y a d'ailleurs, je crois, un GoFundMe qui est organisé pour rapatrier le corps. Le pays de l'oncle Sam Bob Lee est mort d'un cancer, d'un double cancer, un cancer de la gorge et un cancer du foie. Sam, c'est l'entourage de l'asso. L'entourage de l'asso est rempli de soroïs. Excusez-moi les soroïs. L'entourage de l'asso est rempli de soroïs. Et ce sont ces soroïs qui annoncent que Bob Lee a le cancer de la gorge, le cancer de la gorge et du foie, comme Ahmed Bakayoko. Parce que c'est l'asso qui a informé à son grand frère. Son grand frère qui est en Russie là, c'est un soroïste. Le grand frère de l'asso qui est en Russie, c'est un soroïste. C'est lui et son groupe qui annonce que Bob Lee est mort du cancer de foie et de la gorge, comme Ahmed Bakayoko. J'ai demandé à l'asso, il a nié pour dire non, il ne sait pas qui a fait ça. Il dit, toi tu ne sais pas qui a fait ça, oh. Et puis tu ne te justifies pas. Toi tu ne sais pas qui a fait ça et tu ne te plains pas l'asso. Mais tu caches, qu'est-ce que tu caches l'asso? Qu'est-ce que tu caches l'asso? C'est comme ça, il m'envoie maintenant les programmes et tout. Je dis non, moi je ne suis pas dans tes programmes que tu m'envoies, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans tes programmes, hein. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a besoin. Mais demandez à l'asso. S'il pense que Bob Lee n'est pas décédé le 11 juin, pourquoi depuis le 11 juin, il n'amène plus la nourriture à Bob Lee? Demandez à l'asso, pourquoi depuis le 11 juin, là, il n'apporte plus la nourriture à Bob Lee? Pendant qu'il a su que Bob Lee est malade, lui-même, l'asso m'a dit, j'ai les enregistrements, l'asso m'a dit que lui l'a vu de ses propres yeux Bob Lee pour la dernière fois le 5 juin. Il dit, ah bon? L'asso me dit dans notre conversation que lui l'a vu de ses yeux Bob Lee pour la dernière fois le 5 juin. Aïe! Ton meilleur ami, je ne te crois pas, je n'ai jamais cru à l'asso. Pourquoi depuis le 11 juin, là, l'asso n'amène plus la nourriture à Bob Lee, que lui, il a vu Bob Lee amaigri. Il m'a dit qu'il a rencontré Bob Lee le 5 juin dans la voiture de Bob Lee. Bob Lee ne voulait pas descendre de son véhicule parce que Bob Lee se sentait malade, amaigri. Donc, toi, tu es le meilleur ami. Oh. Tu as vu Bob Lee de tes yeux le 5 juin et puis il est amaigri. Et puis, tu ne vas pas lui donner la nourriture. Tu ne vas pas le voir, mais l'asso, tu es suspect. L'asso, tu es suspect. L'asso, tu es suspect. L'asso, tu es suspect. Tu as vu ton ami depuis le 5 juin, il est amaigri. Et puis, tu ne vas pas le voir. Pourtant, c'est ta nourriture qu'il mange. C'est ta nourriture qu'il mange. Donc, si tu penses que tu n'es pas allé le voir physiquement après ça, c'est que c'est non-assistance à personne en danger encore. Tu es là. Parce que tu as vu qu'il est souffrant. Et puis tu l'appelles, il ne décrochait pas selon toi. Mais c'est qu'il est mourant. C'est qu'il est mourant. Mais Bob Lee nous a dit encore le 9 juin que son meilleur ami lui a dit de faire vidéo. Pour montrer qu'il n'est pas malade. L'asso, tu nous caches quoi? Maintenant, l'asso pour me marmailler, me manipuler, pour que je puisse rentrer dans son jeu, pour communiquer pour lui, il dit à son ami aux États-Unis qui m'a appelé pour dire, ah, l'asso même là, Charlie Parker, l'asso même là, c'est ta page que l'asso voulait utiliser dans peu de temps pour faire un direct, pour expliquer au monde entier ce qui s'est passé. Que toi, tu es bien, la Charlie, toi, tu es bien. Toi, tu es quelqu'un, tu ne suis pas les gens sur Facebook, tu es bien, l'asso, c'est ta page. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont pris Actu People. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont pris Actu People. Parce que Actu People n'a pas communiqué sur le GoFundMe. J'ai l'enregistrement ici, mes frères et sœurs. Pourquoi
là, je ne sais pas pourquoi les gens ont pris Atu People, parce que Atu People n'a pas communiqué sur le GoFundMe. Ça fait qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'argent. J'ai l'enregistrement ici. Attendez. J'ai l'enregistrement ici. Que c'est toi que si lui savait que Yaka n'allait pas stopper sa communication sur eux, c'est moi, ils allaient insister de m'envoyer les choses. Il dit, vous là-même, vous avez un problème. Il dit, d'accord. Ah, donc vraiment, c'est que. Donc Yaka n'a pas fait ce que vous voulez. Ah, d'accord. Mes frères et sœurs, on va rentrer dans la dernière phase de déconstruction. Et puis j'ai laissé Yaka va vous expliquer le reste. Mes frères et sœurs, l'Asso, le 23 juin, ayant rôdé autour de la résidence de Bobli, voyant que tout ne bouge pas, lumière restait allumée, voiture restait en place, il sait que là, c'est gâté parce qu'il a assisté au crime. Voilà pourquoi il dit, il a expliqué tous les détails à son frère. C'est comme ça, pour ne pas être la seule personne devant la fête accomplie, l'assaut s'est joué les étonnants aussi. Il allait récupérer Mireille, il allait récupérer Alfred pour l'accompagner. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller seul chez Bobli, c'est ce 23-là que l'assaut s'en va chez Bobli maintenant avec Mireille et Fred pour aller voir pourquoi Bobli ne lui décroche pas, ne décroche pas son téléphone. Et coïncidence, c'est ce jour-là qu'il trouve le bailleur devant sa porte et le bailleur dit Bobli est décédé. Et Adama, on peut mentir comme ça. Donc, c'est une coïncidence. Donc, ils sont étonnés. Ils ont retrouvé le bailleur qui est assis devant la porte. En même temps, pourquoi tu allais chercher Mireille? Pourquoi tu allais chercher Alfred? Il n'a pas envie de se faire passer pour quelqu'un qui avait déjà vu le corps avant eux. L'assaut ne voulait pas se faire passer pour quelqu'un qui avait déjà vu le corps avant eux. Il a voulu que ce soit comme si ils ont découvert le corps ensemble. Voilà ce que l'assaut a fait. C'est comme ça. Alors, vous voyez, ils sont en train de signaler le direct là. Dessiner un jour le direct. On va écouter la première question. Pourquoi l'asso refuse? Pourquoi l'asso n'a plus donné la nourriture à Bobli depuis le 11 juin? Et qui nourrissait Bobli depuis tout ce temps? Qui nourrissait Bobli depuis tout ce temps? Voilà, on va écouter, bon, la vidéo fait combien de minutes, parce que là, j'ai plus assez de temps, Yaka doit monter normalement, parce qu'il doit aller au travail. Donc, mes frères et sœurs, toutes les preuves là, de mes conversations avec l'assaut là, j'ai toutes les preuves ici, toutes mes preuves de mes conversations avec l'assaut, notre conversation téléphonique, j'ai toutes les preuves ici, mes frères et sœurs. Pourquoi l'asso transfère le corps de funérarium de New Jersey au funérarium de New York? Pour faire quoi? C'était pour briller les pistes. Je suppose, toujours Charlie Parker dans la supposition et non dans l'accusation. Il transfère le corps de funérarium de New Jersey pour le funérarium de New York. Et là-bas maintenant, il y a une nouvelle date qui est donnée. Bob l'a disait le 24. Là, ça brûle. Ça brûle toutes les pistes du 11 jusqu'au 23. Ça brûle toutes les pistes. L'asso, vous avez vu, quand j'ai monté cette vidéo pour qu'on mette fin à la vidéo vite fait. Voilà, attends, je vais vous montrer. Quand elle a intervenu, écoutez. Et à part ça, rien d'autre. Il est décédé maintenant, on est en train de... Oh là là, pourquoi rien c'est un nom? Comment on va faire pour que... Vous allez voir, quand John Vergès a demandé après l'asso pour intervenir, l'asso a fui. Moi je viens de... Depuis la
ton assaut, c'est celui qui a donné l'information à Yaka Yaka, c'est ça? Exactement, c'est lui. Il est avec vous là en ce moment? Il est là. Ok, donc tout à l'heure, on va lui prendre aussi un entretien. Donc, continue un peu. Donc, disons que je l'ai interpellé, il est venu et nous sommes allés chez Dantzi. Écoutez. En place un comité d'organisation, oui. C'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Ok. Donc, avec mon délai là, il pourra vous expliquer ça. Comme lui, sa tâche, il va vous. Mais avant d'avoir Alex Modo, je voulais voir si c'est possible qu'on puisse échanger juste 2 minutes avec l'asso. Juste 2 minutes. Et avec Alex Modo, on va parler de comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour les obsèques. Est-ce qu'on peut avoir l'asso si c'est possible? Okay. Non. Non, ok. L'asso, il est un peu occupé. Il fait quelque chose là. Vous avez entendu? Guillaume Bézès dit, comme l'asso est avec vous, avec Mireille, est-ce que je peux avoir l'asso 2 minutes seulement pour avoir l'explication? L'asso a pris la poudre. Il dit non, il est occupé, il a fait quelque chose d'autre. L'asso nous cache beaucoup de choses et il a pensé que j'allais tomber dans son jeu. N'étant pas tombé dans son jeu, j'ai demandé le certificat de décès et l'asso m'a bloqué. Sinon, il m'a bloqué sur WhatsApp. Mon seul crime, c'est que j'ai demandé le certificat de décès à l'asso. L'asso cache beaucoup de choses. Le certificat de décès aujourd'hui sert à la femme de Bob Lee, qui est sa soeur ou sa deuxième femme, pour pouvoir aller déposer, pour avoir ses papiers, pour avoir la green card. Pour que la dame puisse avoir la green card, vu que Bob Lee, de son vivant, n'a pas fait de démarches. Ils ont pris le certificat de décès maintenant qui va permettre à cette dernière d'avoir ses papiers, savoir la green card maintenant là-bas. Donc, le certificat de décès est devenu très très impérieux, important pour l'asso et sa famille. À qui profite le crime? C'était Chani Parker Fraternité. Ciao, ciao.